Kotaku, épisode 2, reportage Console Plus. Salut les hardcore gamers, donc bienvenue dans cette deuxième émission, toujours depuis Game Otaku. Alors cette fois-ci, on va vous faire un petit test, non pas d'un jeu vidéo, mais d'un magazine, le Console Plus, que vous connaissez sans doute. Donc magazine qui est sorti en juillet-août 91. Donc on va vous faire l'historique du magazine, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Donc malheureusement... Comme vous le savez, il s'est arrêté fin de l'année dernière, donc en 2012. Donc, on va essayer de voir ce qui s'est passé entre-temps. Donc, la genèse de Console Plus, qu'est-ce que c'est ? Donc, la genèse de Console Plus, c'est que Console Plus est tirée d'un magazine anglais qui s'appelle Min Machine. Donc, il faut savoir qu'au début, Console Plus était la traduction, tout simplement, de ce magazine qui sortait donc en Angleterre, car c'était édité chez EMAP, un éditeur anglais. Qui produisait donc cette série de magazines. Alors nous, notre premier Console Plus est sorti, comme je disais précédemment, en juillet-août 91, mais en fait il s'agit du numéro 8, si je ne me trompe pas, parce que Min Machine a été a commencé en Angleterre à peu près 8 mois avant. Donc il existe plusieurs numéros de Console Plus qui ne sont jamais sortis en version française. Donc là, je vous verrai par la suite que j'en ai apporté quelques-uns pour donc vous montrer, en fait, vous voyez tout simplement des numéros inédits de Console Plus qui n'existent pas chez nous, mais qui ont existé en Angleterre. Alors il faut savoir que c'était une période très riche, enfin c'était une année très riche, 91, car il y a eu la sortie de Console Plus, mais en même temps, on a eu le droit à Megaforce, qui est sorti donc en juillet-août 91. Donc là vous avez le premier Megaforce, voilà. Et en octobre, donc deux mois après, octobre 91, on a eu droit à Joypad qui a commencé, donc le premier Joypad. Voilà, donc chose très intéressante, c'est que donc le rédacteur en chef n'était autre que AHL, donc Alain Huyghe-Lacour, qui s'occupait donc de Megaforce et de Joypad à la fois. Donc bien sûr, c'était une personne très 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 influente à l'époque dans les jeux, vu que toute l'information passait par ces magazines. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait que la presse papier. Donc c'était des magazines qui étaient suivis vraiment de très très près. Alors maintenant on va regarder tout ça d'un petit peu plus près. Donc alors je vous propose de vous approcher. Voilà, j'ai disposé à ma gauche Console Plus et à ma droite Min Machine. Alors, j'ouvre le Console Plus à la provue de Sonic, par exemple. Donc voilà, ici donc on a la maquette. Et je vais ouvrir le Min Machine et on va voir ce qui se passe. Bah, il ne se passe pas grand-chose, hein. Voilà, donc vous pouvez voir que la maquette est identique. Voilà, vous avez tout simplement le magazine écrit en anglais. Parce qu'il était prévu pour le marché anglais. Et donc le Console Plus ici, donc en français, vu que c'était pour notre pays. Voilà, tout simplement. Donc une maquette identique, aucune différence. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Il va se passer que Console Plus va prendre son autonomie, va devenir un magazine à part entière. L'équipe va se créer, les testeurs vont arriver, et ils vont prendre en main le magazine, tout en gardant bien sûr la maquette, en ne la changeant pas. Mais en faisant le magazine eux-mêmes. Bon, voilà, magazine fait donc par la suite par une équipe française et puis une équipe anglaise. Voilà, donc en parlant d'équipe, on va s'approcher d'un peu plus près et on va regarder un test par exemple. Voilà, tiens, bah, le test de Thunder Force 3 sur Mega Drive. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment le Console Plus des années 90 dans toute sa splendeur. Le test est vraiment parfaitement en phase avec le jeu. Voilà, c'est beau, c'est coloré. Ça donne envie, on a envie d'acheter le jeu quand on voit ça, quoi. On a ici le système de notation, très important, système de notation qui a perduré jusqu'à la fin du magazine, avec la présentation, les graphismes, la bande-son, jouabilité, intérêt, voilà, sauf qu'à la fin, donc, ça avait été remplacé par, non plus par des pourcentages, mais par des petites étoiles. Alors c'était quand même un petit peu moins précis, je trouve.
Console Plus évolue, ce qui est tout à fait normal. Donc là, ici, on a un magazine qui a un petit peu changé quelques années plus tard. Donc on retrouve une maquette toujours très colorée, mais un petit peu plus modernisée, on va dire. Alors, toujours la caricature des testeurs. Donc, à savoir que chez Console Plus, on avait vraiment des testeurs derrière les articles. C'était pas écrit comme ça par des pigistes qui faisaient ça un jour et puis une autre fois autre chose. Vraiment des testeurs qui étaient employés pendant plusieurs années dans le magazine et qui étaient là pour donner leur avis. Alors, chose très intéressante. D'ailleurs, Console Plus était le seul à faire ça. On peut voir ici, donc, un jeu testé. Donc le Resident Evil, il y a deux opinions. Et vous pouvez voir que les testeurs sont pas toujours d'accord. Voilà. Bon là, c'est oui mais, mais il pouvait très bien arriver qu'il y ait des tests où un trouvait le jeu très bien et un autre testeur le trouvait vraiment pourri. Donc vraiment une grande liberté dans le magazine. Autre liberté, c'est que Console Plus faisait la part belle ou hit, ce qui est tout à fait normal, il était là pour informer des bons jeux ou des mauvais jeux, mais les jeux qui ne se vendaient pas beaucoup, les consoles qui n'étaient pas beaucoup distribuées, avaient, comme les autres, autant de place dans le magazine. Donc là ici, tiens, on va prendre le test de Final Match Tennis, vous voyez que c'est une double page. Bon, c'est pourtant un jeu qui ne se vendra pas du tout dans les mêmes proportions qu'un Thunder Force 3 sur Mega Drive, mais il a une double page quand même, parce que c'est un magazine informatif, intègre, qui parle de jeux et qui n'est pas là pour faire du chiffre. C'est pas une boutique, Console Plus, c'est vraiment, à l'époque en tout cas, c'était vraiment un magazine à titre informatif. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, mais ça c'est un peu plus personnel au sujet du magazine, c'est que pour moi, bon, peut-être que vous avez ressenti la même chose, que vous ressentiez la même chose à l'époque quand vous l'achetiez et que vous lisiez, c'est qu'on avait vraiment l'impression de rentrer dans la famille fermée à l'époque certes, des jeux vidéo. On se sentait chez soi en lisant Console Plus. Les testeurs, on les connaissait, c'était toujours les mêmes. Il y avait un trombinoscope au début, où on voyait donc toute la vie du magazine. Voilà, donc c'était vraiment un magazine à part entière et qui pour moi était vraiment le meilleur magazine, en tout cas en France, en ce qui concerne les jeux et les tests de jeux. Alors, je vous parlais de AHL tout à l'heure, HAL pour les intimes, mais il faut savoir que pendant les 4 premières années de vie de Console Plus, c'est pas lui qui était rédacteur en chef, mais c'était Jean-Michel Blottière. Jean-Michel Blottière, dont vous avez certainement entendu parler, car en plus d'être rédacteur en chef du magazine, il animait l'émission Micro Kids, qui passait toutes les semaines sur France 3, pendant les vacances tous les jours, et qui était l'animateur vedette. Donc c'était un personnage très influent à cette époque-là dans les jeux vidéo, et très, très reconnu. Qu'est-ce qui se passe en 94? Jean-Michel Blottière cède le flambeau, arrête, et tout naturellement, c'est HAL qui reprend Console Plus et qui en devient le rédacteur en chef. Du coup, il libère la place chez Megaforce. Voilà, on voit ici le premier numéro de Megaforce, en parfait état, comme vous pouvez le constater. Et donc, qui devient rédacteur en chef de Megaforce? C'est JM Destroy, voilà, qui le reprend et qui s'en occupe très très bien d'ailleurs. Voilà. Donc, après Console Plus, on revient à Console Plus. Donc HAL quitte Console Plus et donc c'est repris par des gens, on ne sait pas trop qui c'est. Donc alors là j'ai un numéro des derniers Console Plus qui a dû tomber. Ah, c'est bizarre, il a atterri dans la poubelle. Curieuse coïncidence. Donc je le récupère et là voilà, on voit. Donc, l'étendue des dégâts, je dois dire. C'est un peu après un tsunami ou quand il y a eu le feu, il ne reste plus rien. Donc là, on voit que le magazine a fondu. Allez, il fait quoi? Il fait 1 cm d'épaisseur et encore, je suis gentil. Je vais ouvrir la chose. Donc, c'est devenu donc un support publicitaire. Voilà, comme vous pouvez le constater. On vend des téléphones, des choses comme ça. Trucs qui n'ont pas grand chose à voir avec les jeux. C'est insipide. Il a perdu, c'est bien simple, toute son identité.
C'est une sorte de cadavre. Voilà, il n'y a plus rien. Tout a été retiré en fait. Tous les éléments qui faisaient que Console Plus était vraiment un magazine attachant dans lequel on pouvait s'identifier n'est plus. Voilà, c'est devenu un magazine lambda. Ça pourrait très bien être un magazine qui traite de voitures. Ça pourrait être un magazine féminin. La maquette est totalement insipide. C'est blanc. Voilà, il y a des photos, là, vous voyez, alors c'est très géométrique, hein, les derniers Console Plus. Là, regardez, là, il y a une, deux photos, et puis il y a les quatre petites photos, ça fait juste la taille des deux photos, quoi. Voilà, c'est carré, on dirait une sorte de cuisine encastrée, quoi, le magazine. Ça donne envie un peu de... C'est assez déprimant, un magazine comme ça, je dois dire. Donc, qu'est-ce qui reste de Console Plus dans ça? Eh ben, c'est simple, le titre Console Plus. Mais c'est la seule chose qui persiste du magazine. Le reste, en fait, est mort. C'est tout simplement une sorte de cadavre. Voilà, c'est un mort-vivant, le magazine. Vous voyez. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai cassé du sucre sur la dernière version de Console Plus. Mais bon, c'était quand même pas très dur. Alors, on va essayer d'être juste et partial. Il y a aussi de petites erreurs. Des petites erreurs qui ont pu être commises dans d'anciens volumes, d'anciens numéros. Donc ici, par exemple, donc on a le test de Alone in the Dark, qui obtient 94%, bon, qui est une bonne note, hein, parce que Alone in the Dark, c'est quand même un bon jeu. Mais qu'est-ce qu'on voit? Quelques pages plus loin, on voit le test de Shenmue 2, qui est une bombe, qui est l'un des meilleurs jeux sorti à ce jour et qui n'obtient que 92%, donc une note inférieure à Alone in the Dark. Voilà, donc vous voyez, petite incohérence. Voilà, mais bon, on leur pardonne. C'est quand même pas si grave que ça. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les anciennes versions de Console Plus, il y avait beaucoup de tests totalement exclusifs et puis surtout des reportages en provenance du Japon, qui faisait vraiment l'identité propre du magazine et qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Donc ici, vous voyez, bon, par exemple, j'ai sélectionné le Console Plus numéro 50, hein, voilà. Bon, c'est un reportage sur les derniers mangas qui sont sortis. Voilà, ici on peut découvrir l'anatomie de Chun-Li pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Mais bon, voilà, il a un propre esprit et il a vraiment des articles qui sont exclusifs au magazine et qu'on ne retrouvait vraiment nulle part ailleurs. Ce qui n'est absolument pas le cas pour Console Plus, apparemment. Oui. Parce que ça, c'est tout simplement un copier-coller de ce qui existe sur Internet. Il n'y a aucune exclusivité dans ce magazine. C'est, voilà, c'est une sorte... C'est pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur, vous voyez, Console Plus. C'était tout simplement un moyen... c'est une sorte de tablette, mais pas version papier, vous voyez. Voilà. Donc un magazine qui s'est arrêté. Et finalement, vu ce que c'était devenu, c'était vraiment une bonne chose qu'il l'arrête. Hein, parce que c'était vraiment dommage de souiller le nom à ce point-là. Quoi. Voilà. Donc, dernière chose que je voulais dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est formaté. On a du mal à sortir des sentiers battus, surtout quand on édite un magazine. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore la possibilité, en s'en donnant les moyens et surtout le courage, de faire vraiment un magazine informatif sur le jeu vidéo qui sortirait des sentiers battus. Donc, c'est pas parce qu'on est en 2013 et qu'Internet existe qu'on peut pas faire de la qualité. Voilà, et ça c'est vraiment regrettable qu'aujourd'hui il y ait plus rien. Et malheureusement c'est comme ça. Voilà. Donc en espérant qu'un jour un nouveau magazine de jeu presse papier, un vrai magazine de jeu reprenne le flambeau, ce que je peux vous conseiller tout simplement, c'est à la rigueur de si vous cherchez des tests sur des jeux qui sont déjà parus il y a un certain temps, d'essayer de récupérer d'anciens numéros de Console Plus, car là au moins vous aurez de très beaux tests et vous saurez quoi acheter ou ne pas acheter pour votre collection de jeux rétro. Alors une dernière chose que je voulais dire au sujet de Console Plus, c'est que en plus d'être un magazine bien sûr de qualité, très intéressant, avec beaucoup de rubriques, des tests, des previews en direct du Japon, c'est que on était très heureux de l'avoir aussi en tant qu'objet. Voilà, je veux parler tout simplement de l'objet qu'il représente. C'est tout simplement un beau livre, quelque chose qu'on pouvait feuilleter, regarder, au même titre que de procéder à un jeu de collection voilà, qu'on a cherché pendant longtemps. Console Plus, c'est vraiment un objet qui mérite d'être possédé.
Voilà. Donc moi, des numéros qui m'ont marqué, bien sûr, il y a le numéro 1, il y a aussi, enfin le numéro 0, le numéro 1 aussi, bien sûr, qui était sorti en septembre 91, hein, qui avait fait passer un petit peu la pilule du fait que ce soit la rentrée. Donc vous voyez ici, on a des photos, les photos à l'époque étaient prises avec de vrais appareils photo. Donc on avait une vraie impression, on a vraiment l'impression de voir l'image du jeu, et c'était pas du tout des captures sur ordinateur. Donc c'était vraiment, c'est ça qui lui donnait ce caractère vraiment original. Celui-ci par exemple était vendu avec un poster, proposé avec un poster, et donc là regardez, je le déplie, et on se rend compte que c'est pas du tout du papier journal, quoi. C'est vraiment un très beau poster en papier glacé. Donc je vous disais, là, quand on achetait le magazine, on avait vraiment de la qualité. Et on était vraiment content de pouvoir se dire qu'on n'avait pas acheté un magazine jetable, mais c'était quelque chose qu'on pouvait conserver. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette émission vous a plu, vous a appris quelque chose, je l'espère. Deux petits mots pour vous dire que la soirée qui a eu lieu la semaine dernière s'est très bien passée, les gens étaient très contents. Et pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu s'y rendre, on en organise une deuxième qui aura lieu très prochainement. Voilà, donc pour les dates, vous pouvez vous rendre sur le site, sur la chaîne de DG, et puis donc il ne manquera pas de vous communiquer les prochaines dates. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was all.